Au CNRS, comme vous savez, on doit être, on est chercheur, mais on doit aussi participer aux travaux d'un laboratoire. Bon. Au début de ma carrière au CNRS, j'étais lié à une équipe de recherche que dirigeait Louis Dumont. Et par la suite, Louis Dumont, donc, ayant pris sa retraite, il est resté dans l'équipe. Et en même temps, c'est Daniel Decopé, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a pris la suite. D'accord ? Et donc, j'étais dans cette équipe et on a fait quelque chose, on le faisait pendant toute cette période, quelque chose de tout à fait exceptionnel. Hein, je veux dire, on a fait quelque chose. La chose suivante, c'est que les uns après les autres, on a présenté nos matériaux ethnographiques. Ouais, ça a été quand même. Et moi, je me rappelle, avant de terminer ma thèse, j'ai fait 9 exposés de 9 semaines. Pendant 9 semaines, j'ai exposé mes travaux dans l'équipe. Puis après, chez Dumont, 6 semaines encore, 15 semaines de suite. Hein, je veux dire, je sais pas, ils m'ont écouté, je ne sais pas pourquoi, mais ils m'ont écouté, hein, ils m'ont écouté tous. Donc ça a été quelque chose. Et puis les autres sont venus aussi. Donc les ouvrages de ces collections. Ateliers d'anthropologie sociale ont été faits. Bon, d'accord. Donc, au bout d'un. Donc, après, on a fait, tous, les uns après les autres, on a fait nos exposés, etc. Bon, et il est venu un temps où chacun avait des envies de faire autre chose. D'avoir autre chose ou de faire. De travailler dans des sens différents. C'est pour ça qu'on s'est séparés. Ce n'est pas toujours facile de se séparer. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai quitté l'équipe, dans des situations un peu spéciales, mais j'ai quitté l'équipe et j'ai demandé à intégrer d'autres équipes, en particulier l'équipe de Nanterre. Alors, Nanterre fonctionnait de la manière suivante. Et les chercheurs, parce qu'en fait, c'est pas un labo qui vous nomme. C'est la direction du CNRS. Mais il faut avoir l'aval du laboratoire. Enfin, ils peuvent avoir l'aval ou ils peuvent ne pas l'avoir s'ils ont envie. Mais ce n'est pas comme ça que ça. Donc j'ai demandé et Nanterre faisait passer l'entrée dans le laboratoire par un vote. Il y a eu un vote, on m'a accepté, je suis entré. Très bien. Et au bout de quelques mois, il fallait changer de directeur et on m'a proposé. Alors, moi, j'étais dans une petite équipe, je rentre dans un labo énorme, un labo généraliste. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui travaillaient à peu près dans toutes les régions du monde dans ce labo. D'accord ? Et donc, au début, j'étais effrayé, je me disais, est-ce que je saurais ? Donc, finalement, je me suis dit, bon, ben, on va voir. Hein. Bon. Et en même temps que je faisais la direction du labo, il y avait un déménagement dans une nouvelle structure. Avant, on était dans un bâtiment de l'université. Et il y avait un nouveau bâtiment. Et donc, j'ai été celui qui a participé au déménagement avec cette idée qu'on avait une bibliothèque énorme, enfin, c'était une des grandes bibliothèques d'ethnologie. Il y avait une bibliothèque du laboratoire d'anthropologie sociale de Lévi-Strauss, et il y avait celle de Nanterre. Et donc, mais l'endroit où on devait aller dans la maison, c'était une maison d'archéologie et d'ethnologie. Et donc, il y avait une bibliothèque d'archéologie aussi, qui était imposante. Mais on a voulu quand même, je me suis battu pour que la bibliothèque soit séparée, parce qu'elle a ses propres critères, ses propres, etc. Donc, il y avait Et alors, j'étais donc le directeur du labo, je m'occupais aussi
pas de m'occuper, puisqu'il y avait des personnels administratifs qui s'occupaient de la bibliothèque, et en même temps, j'essayais Alors, c'était l'époque où on devait faire des rapports tous les ans, hein. Donc c'est moi qui faisais les rapports, il y avait des évaluations tous les ans, etc. Enfin, ben, c'était quelque chose de très très lourd, hein. Très très lourd, et c'était une période difficile pour des problèmes personnels, pour le problème de ma femme. Donc, mais au bout d'un certain temps, bon, j'ai fait une période de 7 ans à peu près. Hein. J'ai fait une période de 7 ans, et à la même époque, on m'a demandé d'aller dans la commission CNRS. Et on m'a nommé à la commission CNRS. Alors la commission CNRS, c'est celle, une commission d'ethno qui s'occupe du recrutement des chercheurs et aussi mais qui donnent des avis. Hein. C'est pas, eux, ils font des classements, ils donnent des trucs. Donc c'est une commission. Et en plus, on m'a nommé président de cette commission. Alors là, moi, je peux pas tout faire. Hein. Ah non, ça, je peux pas, je peux pas. Et là-dessus, après Dampierre, il y a eu plusieurs successeurs à Dampierre au labo, mais Dampierre est resté pratiquement jusqu'à la fin directeur de la formation doctorale. Et cette formation doctorale, elle avait une particularité, c'est que elle était indépendante du département. Elle fonctionnait de manière autonome, avec des responsables de filière, qu'on disait. On était des responsables de filière. D'accord? Et donc, après Dampierre, donc il y a eu Olivier Heinschmidt, je ne sais pas si vous connaissez, qui est indianiste, qui a pris la direction de cette formation doctorale. Et quand moi j'ai quitté, lui aussi a quitté la formation doctorale, et il fallait trouver quelqu'un. Ben, moi, je croyais que j'étais tranquille au CNRS, et ils m'ont dit, ben non, ça tombe sur toi. Donc, on m'a demandé, parce qu'il y a d'autres choix qui n'ont pas fonctionné, qu'est-ce que vous voulez? Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Les autres choix n'ont pas fonctionné, c'est tombé sur moi. Donc, pendant à peu près 8 ans, jusqu'à la retraite, j'ai dirigé la formation doctorale. C'est-à-dire, je m'occupais, disons, c'est pas moi qui m'occupais des doctorants, tous, je m'occupais de faire valoir, disons, l'ethnologie, l'archéologie, la préhistoire, non, l'ethnologie, la préhistoire et l'ethnomusicologie au niveau de l'université. Vous vous rendez compte, moi, CNRS, qui doit aller me battre avec des universitaires. C'est pas facile, mais je l'ai fait. Et parce qu'on était intégrés dans une école doctorale globale. D'accord? Et alors, ça n'a pas été toujours. Et dans ces écoles doctorales, on devait faire la chose suivante, c'est-à-dire défendre des candidats pour obtenir des bourses doctorales. C'était ça qu'il fallait. Donc il fallait en même temps juger nos doctorants, choisir parmi eux ceux qui étaient dignes de, hein, et puis les faire accepter. Les faire en sorte que l'école doctorale leur donne des. Et donc là, il fallait se battre contre des historiens, contre des géographes, contre des machins, etc. Enfin, c'était pas toujours facile. Et évidemment, bon, moi, c'était mon rôle disons, il y avait des responsables, et donc on était en équipe pour juger qui devait, etc. Et une fois qu'on devait choisir qui devait concourir pour avoir les bourses, pour donc devenir, pouvoir faire une thèse. Bon. Donc c'était à moi d'aller défendre. C'était moi, mais moi en même temps, je présidais les commissions quand on se réunissait, mais c'était ça en tant que responsable. Et alors, j'ai vécu une période tout à fait intéressante, ça a été de défendre mes ethnologues, défendre mes archéologues, mes préhistoriens, etc. Et de les. Alors, on les préparait. On faisait des séances de préparation pour qu'ils viennent défendre dans des auditions publiques. Et j'ai participé activement avec un autre collègue à la préparation de ces. Et on faisait en sorte aussi de faire en sorte que
ceux qui étaient quand même, qui arrivaient à être docteurs, à présenter leur thèse, de les préparer au concours CNRS ou autre. Et ça a été quand même aussi une activité importante de ce qu'on faisait. Donc, j'ai eu à connaître toutes sortes de dossiers, j'ai eu à connaître, à apprendre à savoir lire et savoir dire à des gens qui travaillent sur l'Afrique, sur l'Amazonie, sur n'importe, hein, de leur dire, bah, écoutez, vous avez un dossier à présenter, comment vous devez le présenter, comment ça va se faire. Et ça, Nanterre savait. Elle avait une particularité, c'est qu'il fallait qu'il présente un projet de thèse de 60, 70 pages, sinon plus, avec un projet d'article publiable. Ça, c'est Dampierre qui avait décidé. Il avait dit, l'article doit être différent de celui du projet de thèse. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont capables, s'ils ont un projet sur, disons, sur l'Océanie, ils font un article sur la France ou sur l'Europe, ou n'importe quoi. Donc, ils ont affaire. Et donc, les étudiants, mes étudiants, ils devaient faire à la fois un projet pour pouvoir être candidat à la bourse doctorale, pour pas être candidat. Et alors, là, on se battait pour en obtenir, parce qu'on n'avait pas beaucoup. Il y en avait beaucoup, il n'y en avait pas beaucoup, et on devait se battre. Et pour se battre, ça n'a pas été toujours parfois facile. Parfois, je devais me battre contre des géographes qui me disaient, bah, lui, il est CNRS, il n'est pas universitaire. Bon, je disais, mais ça n'a aucune importance, je suis responsable de cette formation. Donc, voilà. Donc, on a fait ça, et ça a été une période, bon, je considère que bon, j'ai défendu l'ethnologie en leur disant, ben voilà, des ethnologues, ils ont. Et je leur disais, bon, puisque je leur disais ceux qui avaient les thèses et qui voulaient présenter au CNRS, comme j'avais été à la commission, je sais comment ça se passe. Je savais comment ça se passe. J'ai pas besoin de. J'avais vu comment c'était. Mais je leur disais comment il faut faire. Parce que, vous savez, un ethnologue, souvent les jeunes ethnologues, ils présentaient leur travail et ils voulaient qu'on les comprenne. Je dis non, vous êtes là pour montrer à des gens qui ne connaissent rien à votre sujet, qui ne connaissent rien à votre travail, vous devez leur montrer que vous pouvez les intéresser. Alors c'est ça que vous devez faire, c'est à ça que je m'employais, ça c'est mon truc. Ça c'est ce que je faisais en priorité quand j'étais dans la formation doctorale. Je dis, attendez, vous travaillez sur le Mexique, très bien, c'est très intéressant. Tout ce que il faut me persuader, moi qui connais rien là-dessus, persuadez-moi que c'est intéressant de considérer votre candidature pour que vous puissiez avoir un poste. Je dois dire que finalement, on a réussi pas mal pendant les années, bon, des années, mais ça devenait de plus en plus difficile. Parce qu'il y avait des tas, les candidats augmentés, il y a des candidats de valeur qui étaient formés à l'EHESS dans d'autres universités. Nanterre n'était plus la seule université qui formait. Mais Nanterre a été pionnière. Et ça, c'est Dampierre, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. C'est Dampierre qui a décidé de faire un département d'ethnologie, une formation doctorale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? L'édition de livres, ça, une formation doctorale, enfin ben, la totalité de ce qu'il fallait faire. Et il avait eu une expérience à Chicago. Et donc, Nanterre a été le premier endroit à faire ça. Et vous savez qui aurait dû le faire en 1925? Ça n'a pas été fait en France. C'est curieux parce qu'en France, on n'a pas fait des. On n'a pas. Il y a eu en 1925, on a refait complètement le musée d'ethnographie qui était à Paris. Et c'est devenu le musée de l'homme. Il est rattaché à quoi? Il est attaché au muséum. Et il y a eu l'Institut, en 1925, a été créé à l'intérieur du musée de l'homme, l'Institut d'ethnologie. Mais qui n'était pas un département, qui n'était pas attaché à un département. Donc la France, avec Mauss, il aurait voulu, mais il n'a pas réussi. Rivet a emporté le morceau, il a rattaché le musée de l'homme au muséum. Ce qui fait que,
l'Institut d'ethnologie devenait une partie interne, mais qui n'était pas liée à un département. Vous vous rendez compte? Donc, disons, la formation ethnologique n'a pas été faite en France. C'est pour les gens qui voulaient devenir ethnologues, soit ils le faisaient de manière artisanale comme ils pouvaient, soit à ce moment-là, ils travaillaient un peu, mais à l'Institut d'ethnologie. Et je donne un exemple qui a été quand même fameux, c'est Dumont. Dumont, elle a travaillé à l'Institut d'ethnologie. Au début, il faisait des fiches pour les objets. Puis il a fait un travail sur la Tarasque, où il a été, etc. Mais c'est après qu'il est devenu indianiste. C'est pas... Et donc, il n'y avait pas une formation qui était... Donc, ça a été je dirais que ça a été ce problème-là de la France, c'est à tarder à faire ce genre de choses, à développer des départements d'anthropologie ou d'ethnologie. Et Lévi-Strauss ne l'a pas fait. Dumont ne l'a pas fait. Hein? Le seul qui l'ait fait, c'est Éric de Dampierre. Et ça, on lui doit ça. Et moi, j'ai vu ça de mes yeux. C'est quelque chose qui était quand même assez. Alors, les chercheurs qui étaient là-dedans, dans ce labo, ils étaient de à peu près toutes les régions du monde. Donc, moi, j'étais. Alors, évidemment, c'est difficile, hein, parce que chacun a son ego, hein, dans les chercheurs. Et les chercheurs. Il y avait les chercheurs et les enseignants aussi, donc du département, qui étaient aussi membres du labo. Alors mettre tout ça ensemble, ce n'est pas toujours facile, mais quand même, je trouvais que c'était ça qu'il fallait. Il fallait les garder tous ensemble, faire ce qu'on pouvait pour obtenir d'eux qu'ils fassent quelque chose ensemble. Parfois toujours facile, mais on faisait ça. On faisait quand même pour que ça fait exister comme un laboratoire d'excellence Nanterre. C'était ça l'idée. C'était ça l'idée. C'était l'idée de Dampierre. C'est pas l'idée, c'est pas mon idée. Moi, j'ai pris le truc en route. J'ai été aidé par des gens comme Olivier Heinschmidt, qui a été aussi un des piliers de ça, d'autres, Laurence Cayet, etc. D'autres personnes qui ont beaucoup travaillé pour que faire en sorte. Et on avait des bibliothécaires d'excellence. Donc tout ça a été fait, mais en essayant de garder cet héritage-là. Pas facile, mais ça a été ça qu'on voulait. Et depuis, il y a maintenant des départements d'ethnologie un peu partout, à Paris 5, à Toulouse, à Montpellier, etc. Mais ça n'a pas, c'est encore, c'est pas ce qu'a été Nanterre, vous vous rendez compte? On a tout à Nanterre, enfin, on a tout à Nanterre. On a une maison d'édition, on a un département, une formation doctorale, voilà, on a des bureaux, etc. Maintenant, il y a des bureaux, ils doivent. Non. Et la question est de savoir maintenant, bon, maintenant, c'est plus moi qui m'occupe de ça, hein, moi j'ai fait ça. Maintenant, il y a eu des successeurs qui ont pris la suite et chacun a décidé de faire ça comme lui l'entend et c'est ce qu'il faut. Mais ce que je trouve dommage, mais ça ils n'ont pas pu faire autrement, c'est qu'on abandonne l'idée de faire un article publiable. Faire un article publiable. Alors, moi, j'ai même fait un numéro d'une revue locale de laboratoire où j'ai publié une série d'articles des étudiants qui étaient dans un état publiable. Et je les ai publiés, moi. J'ai décidé de faire un numéro spécial pour publier. Pour valoriser les étudiants. Bah, écoutez, si l'article était publiable, pourquoi pas? Bah, on l'a fait. Voilà, c'était ça l'idée de Nanterre. Bon, bah, alors maintenant, je ne suis plus. Non, je les laisse. Maintenant, ce n'est plus à moi de décider comment Nanterre doit être géré. C'est pas à moi de faire ça. J'ai fait le travail que j'avais à faire. Maintenant, c'est à eux de voir comment ils font pour ceux qui succèdent, etc., ceux qui se sont succédés. Ce qui était aussi tout à fait important, c'est qu'on avait des personnels administratifs tout à fait compétents, pas tous, mais on a fonctionné quand même avec ça. Donc, ça a été un laboratoire comme. C'était
un laboratoire lié à un département, c'est quand même. Fallait le faire, hein. Et Dampierre, Dampierre l'a fait. Ça était quand même quelqu'un de spécial, mais il l'a fait. Il n'était pas facile à gérer, mais, pas, mais il a fait quelque chose. Et ça, on lui doit tous. Enfin, c'est pas moi, je ne peux pas ma carrière, j'ai commencé avant, mais je suis venu en 92 à Nanterre, et c'est là que j'ai pris un peu les choses en main. Mais c'est une expérience absolument exceptionnelle. Mais ça ne devrait pas être expérience exceptionnelle. Parce que regardez, quand vous allez en Angleterre, vous allez. C'est la sociologie qui est secondaire par rapport à l'ethnologie. Les départements que vous avez à la London School, University College, SOAS, vous allez à Oxford, vous allez à Cambridge, Manchester, etc. Partout, il y a des départements. Partout, les gens sont formés, doivent enseigner et en même temps faire de la recherche et publier. Bon, ils ne sont pas là pour... c'est comme ça que Malinowski, Evans Pritchard, Gottfried Linnart, Max Gluckman, et tous ces gens-là ont fonctionné. Comment ils ont fait? Ils ont enseigné, et ils ont fait du terrain, et ils ont fait tout ça à la fois. Ben, c'est très bien s'ils arrivent à le faire. C'est pas des petits chercheurs. Hein. Evans Pritchard, Malinowski et tous ces gens-là, c'est pas des petits chercheurs, hein, c'est des grands chercheurs. Regardez aux États-Unis, il y a eu Boas, il y a eu Kreuber, il y a eu Lowy, il y a eu toute une série de gens qui ont été aussi, mais qui ont été aussi dans des départements. La France a une particularité. Elle a le CNRS d'un côté et le département de l'autre. Et c'est pas facile. Alors, les chercheurs n'aiment pas beaucoup enseigner, mais on le. Et les enseignants, ils disent on n'a pas le temps, etc. Il y a toujours cette. Mais ils y arrivent quand même. Mais étant donné qu'il y a le CNRS, qu'il n'y a nulle part ailleurs, ben bon, voilà. Les gens préfèrent aller au CNRS. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent aller au CNRS. Et donc, à ce moment-là, ils sont tranquilles, relativement. Hein. Le CNRS, bon, ça donne un statut, mais ce n'est pas. On n'a pas en contact régulier avec des jeunes, etc. Moi, ce qui m'a passionné, c'était de travailler avec les jeunes, de participer à des jurys, à des jurys de thèse, d'essayer de me dire bon, ben, moi, j'ai fait ça là. Mais eux, ils font quelque chose ailleurs. Est-ce que je peux comprendre ce qu'ils font? Moi, c'est ça mon souci. Avec une comme toujours, maintenant que je me dis, dans mon âge avancé, c'est l'ethnographie qui décide en dernière instance ce que doit dire la recherche. C'est un peu comme toutes les sciences. Enfin, je veux dire, on n'est pas très original en disant ça. C'est-à-dire, on a bien besoin de modèles. On a bien besoin de catégories. On sait très bien ce qu'on doit à des modèles. Hein. Mais attention, c'est pas sacré. C'est à partir de là, ils sont approximatifs et on travaille dedans. Et bien le travailler, c'est pas travailler dans l'abstrait, c'est travailler avec du concret. Moi, quand j'ai vu Mauss qui dit le don contre don, ça marche, j'ai regardé une note. Dans l'essai sur le don, il dit, il va sur l'Inde, comme il est malin, et il a mis ça en note, le père Mauss. Il a dit, ben vous savez, le don, recevoir, oui, rendre, interdit. Ah bon? Ben si c'est interdit, alors votre histoire de théorie ne s'applique pas ailleurs, ne s'applique pas partout. Donc, bon. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est là où l'ethnographie a toujours un intérêt particulier. C'est-à-dire qu'elle nous force à revoir toujours nos catégories pour essayer de les perfectionner, de les travailler. Et de dire, bon, ben là, est-ce que ça marche là, ça marche pas, etc. Mais ça, il n'y a que l'ethnographie qui peut nous apprendre. Bon, je ne veux pas aller inventer, moi. Hein. C'est pas le fait... un défaut logique. Bon, le défaut logique, ça existe aussi dans les conceptions. Mais il y a aussi
le défaut ethnographique. L'ethnographie ne respecte pas toujours, et c'est ça qu'il faut. Et donc, apprendre aux étudiants, hein, c'est de leur dire, prenez des guides, prenez des catégories, prenez des modèles, parce que ça peut aider, mais ne prenez pas ça comme parole d'évangile. C'est à revoir. Et moi, j'ai toujours eu comme souci de dire, ben, voilà, il faut pouvoir revoir les choses. Voilà ce qui a été mon parcours. Alors, si vous voulez, après, je peux vous donner un petit aperçu d'un travail futur que je n'ai pas terminé, mais que je suis en cours de le faire. Voilà.